Nous avons reçu une réponse de part de la communauté et nous sommes en train de voir. 20-30 countries are using. Beaucoup de pays sont en train d'utiliser la plateforme DHP pour l'implémentation de leur système et nous sommes en train de voir comment mettre en place des innovations dans nos communautés et nous sommes en train de voir comment partager les histoires avec vous aujourd'hui. L'Ouganda a utilisé le système EHS2 depuis longtemps. Ils sont en train de partager ce système au travers de messagerie mobile et intégrer le système de surveillance de maladies et mettre en place également l'analyse des données. Alors, bienvenue, la parole est à vous. Ça va maintenant? OK. Est-ce qu'on va en mode présentation? Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir à tout un chacun de nous. Je réponds au nom de Emma Abazé. Je suis responsable projet pour ISP Uganda. Je suis là pour parler de surveillance de base de certaines maladies et la gestion des rumeurs en Ouganda. Diapo suivante. A été développé sur la base dit, cela a été développé sur l'idée, la directive venant de l'OMS. Nous étions en train d'encourager l'utilisation des systèmes électroniques. Alors, notre implémentation est basée sur les directives techniques et les maladies qui nous sont transmises et qu'on arrive à traquer de façon électronique. Et l'Ouganda a décidé d'utiliser la plateforme des SMS qui marche de pair avec la configuration de l'application DHS. Alors, l'intégration des deux plateformes permet de faire un relais rapide de l'information concernant les événements identifiés dans la communauté et spécialement pour évaluer les risques potentiels liés à la santé publique de façon nationale et au niveau des districts. Également, les rapports reçus au niveau des communautés qui concernent tous les événements qui ont besoin d'une réponse au niveau du district ou bien d'une réponse au niveau national. Alors, en vue de faciliter le rapport immédiat, c'est-à-dire en intégrant les données qui nous sont transmises de façon hebdomadaire,
Nous utilisons une même plateforme de messages. Également, cela est intégré au système national de DHIS2 qui est sur cette plateforme. Diapo suivante. Alors, la porte d'accès au système HMIS a été configurée à recevoir le système d'alerte avec la plateforme 3737 qui nous permet d'enregistrer les utilisateurs et également envoyer des événements anonymes dans le système. Alors, en utilisant le code du ministère de la Santé de l'Ouganda pour nous informer de ce qui se passe dans leur communauté, cela a été configuré pour donner une réponse aux gens qui nous envoient des alertes, comme nous allons le voir dans le diapositive suivant, des gens de réponse qui reçoivent également. La même plateforme a été mise en place entre la communauté et HMIS en ce qui concerne alors, c'est une plateforme qui est pour voir une réponse à la communauté. Alors, notre niveau de travail actuel, c'est que nous avons un système de soins de santé et un agent qui a été formé pour envoyer des messages avec le code 3737. Et ce message est reçu par le système de gestion publique de santé au ministère de la Santé qui vérifie l'alerte SMS, également qui prépare une équipe de réponse qui doit être capable à pouvoir la réponse nécessaire à toutes les communautés au cas où cela est un risque ou bien un événement dangereux. Il prépare également une réponse au niveau du district et également au niveau national. Voilà également comment cela est géré. Alors, si cela peut être géré au niveau du district, se fait. Dans le cas contraire, on met en place le système de gestion nationale pour pouvoir gérer cela. Diapo suivante. Rebecca, tu as su que c'est la diapo suivante? Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, sans rien oublier. En utilisant n'importe quelle carte SIM enregistrée en Ouganda, un individu dans une communauté, il peut envoyer une description de ce qui se passe dans leur communauté en disant ce qu'il voit, en décrivant ce qu'il voit et en nous disant la location, c'est-à-dire le quartier, le district, là où il se trouve. Lorsque ceci est envoyé dans le système, dans l'équipe au niveau national, c'est-à-dire le système de gestion des cas d'urgence qui vont vérifier cela, en essayant soit de passer un appel à l'équipe, en essayant de passer un appel pardon, à la personne qui a envoyé le message. Parce que vous savez que DHIS2 enregistre le nombre, le numéro. J'essaie de voir également cette alerte en appelant et avant de vérifier. Avant d'envoyer une équipe pour aller faire une investigation plus avancée sur le terrain. Cette notification, une fois que c'est vérifié, et la notification est maintenant envoyée soit par email, soit par SMS à un programme qui est en charge de la gestion de ce malaise, de cette protection, mais cela est envoyé à l'équipe de réponse rapide au niveau du district et au niveau national pour être capable de pouvoir faire des investigations et de là, au mieux, nous avons des réponses, c'est-à-dire des réponses qui sont envoyées à
à la personne qui a transmis le message pour le faire savoir que le message a été reçu. Il y a une équipe qui est en train de travailler sur ce cas particulier de vérification. Diapo suivante. Nous avons essayé de travailler dessus depuis 2013. En 2019, nous avons essayé de réviser la situation. Nous avons... Je pense que c'est sur la sixième diapositive, nous sommes, hein, s'il n'y a pas d'erreur. Nous avons décidé de voir comment est-ce qu'on peut engager des gens au niveau du district et partager certaines des lacunes que nous avons eues. Parce que les messages vont directement au ministère sans engager, sans toujours engager l'équipe de district. Ils se sont sortis de lancer. Voici quelques lacunes qui ont été identifiées. Il n'y avait pas une promptitude de réponse parce qu'il y avait beaucoup de messages qui venaient. Donc, il n'y avait pas une équipe toujours en place pour pouvoir répondre rapidement. Également, l'analyse des différentes alertes des événements qui venaient n'était pas toujours au top parce qu'il n'y avait pas un nombre, un effectif conséquent pour pouvoir bien gérer cela. Les messages n'étaient pas toujours bien structurés lorsqu'ils sont envoyés. Donc, vous devez des fois aller et confirmer avant de chercher à vérifier. À certains points, il y a eu des réponses tardives. Et cela a beaucoup démotivé certains utilisateurs. Récemment, nous avons eu un petit changement dans les services. Donc, il y a un petit retard dans l'obtention des réponses. Les gens pensent que leur message n'est pas parvenu là où ça doit aller. Il y a également une documentation vraiment pauvre. Des rumeurs, les gens n'ont pas un registre, les gens n'ont pas vraiment une structure pour enregistrer les alertes liées aux rumeurs. La capacité d'analyser les rumeurs ou bien les événements en fin de compte, en fin de journée, les gens se demandent combien de messages ont été reçus, combien peuvent être liés aux maladies, ainsi de suite. Également, il n'y a pas un mécanisme spécial pour répondre aux rumeurs qui viennent au travers des médias sociaux. Nous avons beaucoup de nos médias sociaux et nous espérons que certaines rumeurs peuvent également parvenir au travers des médias sociaux. Alors, nous essayons de mettre en place des solutions pour pouvoir combler les lacunes qui ont été identifiées par la communauté. Diapo suivante. Le grand défi, c'était comment est-ce que nous pouvons impliquer l'équipe de DC dans le processus de vérification? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer les conditions dans leur communauté avant d'aller au niveau supérieur, avant d'atteindre les... Quelqu'un dit, moi, j'aime pas le ministère, je veux pas qu'on me pose des questions, qu'est-ce qui se passe dans ma communauté? Je veux être plus informé. Je ne veux pas traiter avec les politiques politiques. Le travail implique les ouvriers en matière de gestion de santé qui envoient clairement des messages dans ces centres qui indiquent clairement la localisation, le système de gestion, les HIS au travers des messageries. En utilisant cette application, alors le système de gestion d'urgence reçoit certains de ces messages-là et les transmet aux différents districts qui ont été cités préalablement. Et c'est maintenant les districts qui doivent vérifier ces alertes, ces signaux, en essayant de remplir un formulaire électronique. Et ce formulaire électronique est là pour indiquer les différents processus de vérification s'ils avaient été en mesure de vérifier si l'alerte est vraiment vérifiée ou c'est une fausse alerte. L'équipe district va maintenant
mettre en place leur équipe d'investigation pour aller plus loin, faire des investigations. Point suivant, diapo suivant. Merci. Voilà. Nous avons développé une application qui est mise en place, c'est-à-dire une application de gestion des messages. Et cela nous permet de faire une analyse des données, des messages qui ont été reçus. Cela nous permet de savoir si les messages ont été reçus. Alors, les messages qui ont été envoyés pour la vérification, les statuts, vérification et autres. Là également, passer de mettre en place un système électronique qui nous permet d'intégrer le programme dans HMIS. Également, cette plateforme électronique peut être gérée au niveau du district et au niveau national. Donc, s'il y a un retard dans le processus de vérification, l'équipe nationale est capable de suivre cela au niveau de surveillance du district, pendant que certaines activités peuvent prendre plus de temps que d'autres au niveau de la vérification. Alors, on voit le tableau de bord. Nous avons le nombre total de messages reçus. Nous avons le nombre total d'alertes. Le point suivant nous montre également, nous montre à quoi ressemblent les systèmes d'information qui ont reçu les messages. Point suivant. Puis la base des districts, ils peuvent également transmettre les notifications à différents niveaux. Les responsables au niveau des districts viennent voir les notifications qui ont été envoyées et voir est-ce que vraiment ces notifications ont eu des accusés de réception. Aller également au niveau supérieur et faire une mise à jour des événements, c'est-à-dire au niveau des vérifications qu'ils obtiennent des communautés. Alors, ici, c'est l'écran qu'ils utilisent pour vérifier le genre de formulaire qu'ils utilisent pour vérifier. On voit également le statut du message, le site, la date du message de suivi. Et cela pourra nous dire si l'information est passée ou pas. Alors, en faisant ceci, il y a juste une mise à jour qui est recommandée. Diapo suivante. En fin de compte, j'avais un formulaire complet. Donc, il y a un formulaire électronique qui est mis en place. Alors, nous pouvons être capables de déterminer le statut, voir ce qui se passe dans la communauté, être capables de pouvoir faire un suivi. Alors, le résumé, c'est qu'il faudrait impliquer l'équipe de district au temps de vérification. Nous devons également pouvoir une réponse à temps. Il ne faudrait pas qu'il y ait un retard dans le partage des informations. Nous devons également être capables de suivre le progrès de la vérification des alertes, tant au niveau national qu'au niveau des districts. Nous devons être capables de pouvoir nous connecter aux alertes et maintenant analyser les différentes alertes à tous les niveaux qui ont été inclus dans le système. Alors, cette présentation peut être faite avec l'application, que ce soit en dehors de l'application, avec les outils de PHS2. C'est possible. Alors, les défis que nous avons eu à rencontrer lors des implémentation, c'est que je pense que vous êtes toujours dans cette dynamique. Et qui nous, c'est qu'il n'y a pas des réponses qui viennent souvent à temps, à tous les niveaux. Donc, nous devons vraiment utiliser cela. Donc, il faut également, la révision des messages est également un tel défi. Comme je l'ai mentionné, les messages
les alertes manquent de structure par moment. Il y a des gens qui manquent de faire la révision des messages et autres. Donc, il y a des réponses tardives qui viennent et les messages ne sont pas relayés à temps dû à la stabilité du réseau ou bien dû à la saturation du réseau. Il y a également un manque de documentation adéquate en ce qui concerne la suspicion des cas et des signaux au niveau des systèmes de santé existants. Donc, il y a eu un manque de documentation. On n'a pas pu vérifier à tous les niveaux l'authenticité, la véracité de certaines informations. Également, l'utilisation limitée des données à tous les niveaux, à plusieurs niveaux spécialement, puisque nous sommes maintenant capables d'analyser comment les événements viennent par période, comment est-ce que cela vient par catégorie, ainsi de suite. Également, les médias sociaux constituent toujours un problème, mais avec l'application, nous sommes capables de voir comment est-ce que nous pouvons ajouter des alertes qui peuvent ne pas nécessairement venir comme des messages, mais qui peuvent venir par d'autres canaux. Donc, nous essayons de collecter également toutes ces informations. Un des défis que nous avons également eu dans l'implémentation, c'est également la barrière au niveau des langues. Les gens que nous rencontrons, ils peuvent également parler anglais, mais ils ne savent pas comment écrire l'anglais. Donc, ça contient un petit souci. Donc, au niveau de l'Ouganda, nous avons beaucoup de langues, donc nous ne pouvons pas envoyer les messages dans leur langue locale. Donc, les personnes peuvent ne pas comprendre le message écrit dans sa langue locale. Donc, il y a également la barrière au niveau de la langue qui constitue toujours un problème. Comment régler cela? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup pour cet exemple de l'Ouganda et je suis navré pour les difficultés techniques que nous avons. C'est une très bonne présentation que nous pouvons télécharger sur la plateforme Scale. Donc, je vais accueillir notre prochain intervenant qui vient de l'Université Johns Hopkins qui va nous parler de certains projets. Donc, j'ai eu un très bon résumé, très intéressant, que j'ai trouvé très inspirant quand je l'ai lu, qui parle de comment est-ce que les différents partenaires ont décidé d'utiliser le système de métadonnées pour faire rendre disponible l'information. Donc, voici la Marie va nous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir combattre la désinformation et la mauvaise information que les gens ont eue en matière de COVID-19. J'espère que vous pouvez m'écouter et voir les diapos. Rebecca, vous allez m'aider aussi pour la diapo et voir le temps pour moi. Donc, mes collègues m'ont aidé à mettre en place ce système. Il est en Côte d'Ivoire. Il est dans le bureau de HISP en Côte d'Ivoire et va présenter à l'équipe francophone. Donc, maintenant, le CCP est travaille avec l'Institut Johns Hopkins, le Centre pour les programmes de communication. Et leur but, c'est d'aider les partenaires appropriés dans la communication pour que on puisse aider les communautés dans le monde pour pouvoir sortir de certaines difficultés, donc que ce soit en matière de santé, de maladie, le VIH, entre autres. C'est ce que moi, j'ai l'habitude d'étudier avec des HIS2 en particulier. Mais il y a aussi le problème de sécurité sanitaire dans le monde. Donc, le DHSA, comme on peut le voir à l'écran, travaille pour pouvoir renforcer la capacité des États pour pouvoir détecter facilement et même prévenir les maladies infectieuses. Et ça permet aussi de développer les capacités de réponse appropriées aux maladies.
Donc, comme nous avons vu avec Ebola, COVID-19 et d'autres cas d'urgence de maladies, l'épidémie était devenue directement incontrôlable. Donc, c'est ce que nous essayons d'éviter à travers la communication. Donc, la communication de risque est très importante pour l'évaluation auprès de l'OMS. Comme nous pouvons voir, il y a eu des approches qui ont été intégrées dans la communication avec les communications des facilités pour pouvoir mettre à jour et avoir les comportements appropriés pour pouvoir répondre de manière efficace aux différents partenaires et discuter avec les partenaires, avec les différentes chaînes, et inviter les communautés et pour pouvoir identifier les informations, que ce soit les rumeurs ou les suspicions de maladies dans les zones et pouvoir trouver comment répondre de manière efficace. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Donc, premièrement, nous allons commencer par les rumeurs et les mauvaises informations. On va parler de rumeurs. Qu'est-ce que c'est que la rumeur, premièrement, quand nous sommes en train de discuter ici? Donc, les rumeurs, c'est le fait de pouvoir identifier les informations qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas encore prouvées ou quand il y a trop d'informations. Donc, la plupart d'entre vous, vous savez que l'OMS a eu tellement d'informations et plusieurs personnes ont entendu aussi beaucoup de choses, donc il était difficile pour les populations de savoir quoi faire et quelles dispositions prendre. Donc plusieurs personnes ont partagé plusieurs informations et les gens ont développé une sorte d'empathie envers les autres. Donc il y avait des mauvaises informations. Donc les gens veulent aider, hein, c'est ça, leur objectif c'est d'aider, mais à cause des rumeurs et des mauvaises informations, on n'arrive pas à travailler de manière appropriée pour pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, plusieurs personnes sont aussi en train de faire les mauvaises informations pour propager encore les rumeurs pour peut-être leur profit ou pour leur gain personnel. Donc, certaines personnes essaient aussi quand même de pouvoir résoudre les problèmes du sanitaire en essayant de réduire les rumeurs et les désinformations. Donc, les gens ne savent pas alors comment est-ce qu'on contracte les maladies ou comment on réussit à éviter des maladies à cause des rumeurs. Donc, ça s'est passé aussi lorsque la COVID-19 et son apparition à la fin de l'année 2019 et les autorités sanitaires étaient en place pour pouvoir développer comment faire pour pouvoir surpasser les rumeurs et les désinformations que nous avons. Donc, il y a des rumeurs, cela est clair. Il y a eu des rumeurs, par exemple, que les centres internationaux étaient d'abuser les gens en apportant peut-être la COVID-19. Et donc, il y a eu des enquêtes pour pouvoir mettre fin à ces rumeurs-là. Donc, pour poursuivre avec le système de gestion des rumeurs, c'est de systématiser les rumeurs qui émergent dans des communautés pour que on puisse être au courant de ce qui se passe en temps réel et suivre la situation de manière appropriée. Donc, il y a eu certains systèmes qui ont été implémentés à travers notre organisme ou notre organisation. C'est que nous avons tout fait pour pouvoir mieux gérer les situations de pandémie, comme c'est le cas avec la COVID-19. Nous avons tout fait pour pouvoir collecter les données, visualiser les rumeurs, trouver comment faire fonctionner les systèmes pour pouvoir répondre de manière efficace. Donc, il fallait trouver le moyen de pouvoir réagir de manière efficace, de manière et promptement, et vérifier ensuite les rumeurs pour se rassurer si ces rumeurs sont fondées ou pas. Donc, certaines personnes apprennent les rumeurs à partir des sources secondaires comme des réseaux sociaux entre autres. Et donc, nous faisons plus ou moins, nous croisons les données pour se rassurer la véracité. Ce n'est pas très facile de croiser les différentes données pour pouvoir déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, c'est vrai, c'est pas si facile que ça, mais nous avons tout fait pour pouvoir avoir ces données, pouvoir les croiser, pour pouvoir déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Il faut du temps pour pouvoir analyser, pour pouvoir avoir les résultats, et cela se passe de manière systématique. Donc, je vais vous attirer votre attention sur les principes pour le développement numérique qui est très important
comme outil technologique pouvant trouver les situations. Ce n'est pas qu'une technologie, mais c'est tout un réseau qui permet d'aider les partenaires pour pouvoir éradiquer les mauvaises informations et trouver le moyen de pouvoir vérifier les rumeurs. Donc, ce n'est pas une technologie. Donc, c'est une technologie qui est facile d'accès, qui est facile à utiliser et plusieurs pays l'utilisent. Donc, notre organisation ne sait pas ce qui se passe en réalité dans l'écosystème de la santé, mais nous faisons tout juste pour pouvoir servir le bien public tout en aidant, en enlevant les différentes rumeurs qui se passent. Donc, nous développons une technologie qui fonctionne. Donc, ces plateformes prennent en compte plusieurs plateformes, dont DHIS2, et nous allons en parler. Donc, nous allons parler de comment ce système marche avec DHIS2 et nous allons partir étape par étape. Donc, nous collectons les données en venant vers les gens qui disent ce qu'ils ont entendu comme rumeur que nous mettons dans l'application. Et des fois, nous prenons ces informations à partir de sources secondaires, comme par exemple les réseaux sociaux. Et nous analysons, l'application analyse et synthétise les rumeurs. Et ici, je parle de rumeurs pour parler des mauvaises informations ou bien ce qu'on entend. Donc, nous partageons ces informations souvent de manière fréquente et avec les gouvernements et les différents acteurs. Et nous offrons aussi le support, le soutien technique pour pouvoir communiquer de manière efficace et pour que tous les acteurs soient informés de ce qui se passe. Donc, il y a eu la collecte des données sur les études, ce qu'on écoute dans le monde et les sources secondaires, de même que les contributeurs en temps réel qui nous apportent les informations. Donc, premièrement, nous nous sommes basés sur les contributeurs dans les communautés pour analyser les rumeurs. Il y a plusieurs partenaires qui ont contribué au développement de cette application. Premièrement, on entre dans cet événement de ce programme d'événements ici et on a un segment où on entre les rumeurs, comme on peut le voir. Et donc, on entre la date de réception de la rumeur et on saisit la rumeur plus tard, ainsi de suite, comme on peut le voir sur la diapo précédente. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que les limites de ce système. Donc, nous formons les gens pour pouvoir entrer les rumeurs à l'intérieur et le processus pour pouvoir identifier et voir les interférences avec les chefs des villages, par exemple, pour pouvoir voir si la rumeur est fondée ou pas. C'est un point très essentiel parce que ça permet d'informer sur la communication du risque. Il y a d'autres systèmes de rumeurs où il faut aller faire des enquêtes des événements et faire le reporting. Nous, on accepte les rapports quand les pandémies surviennent, par exemple. Mais pour nous, ce n'est pas ça l'objectif de notre système. Nous essayons de suivre les gens qui sont en train de disséminer les rumeurs pour pouvoir essayer d'évaluer justement ces rumeurs en parlant avec ces personnes ou en interagissant avec ces personnes-là. Donc, on a entendu beaucoup de choses sur ce qui se passe avec la COVID-19. Plusieurs personnes ont dit X, plusieurs personnes ont dit Y. Donc, voilà, on parle avec cette personne-là pour pouvoir avoir ces informations. Donc, on est en train de tracer ces individus-là. Et même, nous avons eu des limites en matière d'information parce que nous n'avons pas toujours la source, la première source de la rumeur. Nous avons toujours des sources secondaires parce qu'il y a par exemple Snapchat qui donne toujours des mauvaises informations parce que des gens écoutent juste des choses et balancent cela sur les réseaux sociaux. Donc, ça devient des problèmes à gérer. Nous avons développé des outils qui permettent de répondre de manière efficace à ces rumeurs. Donc maintenant, nous allons parler du coding. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où nous utilisons des thèmes spécifiques qu'on classe selon le degré d'urgence. Et notre équipe a
analyser plusieurs communications, plusieurs données, et nous venons après avec l'expertise. Commençant avec la pandémie en Côte d'Ivoire, nous avons entendu des rumeurs avant les vaccins, que c'était disponible. Vous arrivez à l'hôpital, on vous dit qu'il y a les vaccins, mais les gens vous disent que non, il ne faut pas avoir confiance en ces vaccins. Certaines personnes disent qu'on a besoin de vaccins, mais on dit non, que le vaccin, ce n'est pas positif. Donc, ces rumeurs-là, nous avons reçu tous ces types de vaccins, de rumeurs, que nous avons intégrés dans notre système, que nous avons synthétisés pour savoir ce qu'il en est vraiment. Nous avons commencé à développer et à partager des messages sur le vaccin pour le expliquer. Nous avons besoin des informations sur et non juste des messages qui contiennent peut-être comme mot-clé vaccin ou la vaccination de routine. Donc, notre idée, ou bien ce qu'on entend souvent, c'est que le vaccin était secret et qu'on était en train d'utiliser les bébés comme des cobayes. Donc, c'était ce qu'il fallait chercher et comprendre si la rumeur était fondée ou pas. Donc, nous avons essayé de voir ce qu'il en était et nous avons essayé de résoudre le problème. Donc, nous avons des codes déductifs et des codes inductifs que nous avons développés. Après, la difficulté avec DHIS2 pour chercher ou courir ou traquer les rumeurs, c'est que DHS2 est utilisé d'abord, est développé premièrement pour les informations de santé et non traquer les rumeurs. Donc, pour traquer les groupes de communautaires, les structures locales, entre autres, ce n'est pas très évident pour nous parce que nous avons à la suite essayé de traquer les rôles, les matériaux de communication et plusieurs autres domaine où nous agissons maintenant. J'ai essayé de voir ce que ça c'est de pouvoir enquêter sur les idées, les rumeurs qu'on entend par-ci et par-là. Donc, nous avons gardé un programme d'événements et nous avons ajouté un synthétiseur au programme de tracker. Nous avons traqué les nuances, les versions de rumeurs et d'autres informations selon la checklist d'informations que nous avons pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut répondre à une rumeur et le faire de manière efficace. Après, il y a l'optimisation des rumeurs, l'analyse. Vous savez, dans les domaines où il y a des rumeurs, il fallait trouver le moyen de pouvoir trouver le positif dans tout ou ce qui est vrai dans toutes ces rumeurs. Donc, il y avait plusieurs sources pour ces rumeurs-là. Il y a les informations venant en ligne et puis les informations venant des contributeurs de la communauté. Nous avons essayé de tout mettre ici sur le tableau, mais j'espère que vous pouvez voir cela. Donc, avec ces sources, nous avons analysé et voir où est-ce qu'il faut mener des enquêtes en matière de rumeurs. Vous ne pouvez pas gérer des milliers de rumeurs très facilement avec un seul gestionnaire de rumeurs. Il peut y avoir des milliers, des millions de rumeurs. Donc, pour gérer cela, il faut bien être outillé. Nous avons partagé des rumeurs sur des tableaux de bord thématiques, sur les rumeurs qu'on entend, les sujets qui viennent souvent. Et nous allons partager cette rumeur que nous voyons même en français. Ce n'est pas qu'un résumé, mais nous voyons très bien la manière dont nous avons organisé les rumeurs, puisque les informations sont en français. Donc, on entend souvent que c'est dangereux, ce n'est pas sécurisé, qu'on a fabriqué ce vaccin pour les Africains. Et donc, on a dit aussi, même parfois, que la maladie n'avait pas d'influence sur les Africains, que c'est pour les Blancs et que le vaccin, c'est pour détruire plutôt les Noirs, et, entre autres. Donc, on les a vus sur la diapo. Maintenant, parlons de ce que nous avons fait ensuite. Ce n'était pas très facile de pouvoir mettre ensemble toutes ces informations, donc nous avons dû travailler main dans la main avec plusieurs organismes sur place pour développer une réponse adaptée. Donc, à la fin, il faut savoir qu'on peut
aussi trouver un moyen de pouvoir réorienter des HIS2 pour traquer non seulement des individus, mais maintenant des communautés. Donc, voilà ce que nous avons fait ici pour pouvoir développer des solutions appropriées. Maintenant, dans les différents pays de CCP, nous avons préparé plusieurs documents sur la gestion des métadonnées par notre équipe mais nous l'avons rendu disponible aussi aux autres équipes dans le monde. Donc, je développe maintenant plus ou moins des manières d'utiliser des HIS2 pour pouvoir améliorer sa performance dans les années. Je crois que nous pouvons continuer à faire cela quand on découvre quelque chose, on se retrouve ensemble, on partage et puis on trouve le moyen de s'en sortir. Donc, je remercie tout le monde, je remercie mes collègues, Abdul Dessau, entre autres, qui m'ont aidé et tous mes autres collègues dans les différents pays du monde qui m'ont aidé à recueillir ces informations et pour pouvoir faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Merci, Nathalie. Maintenant, c'était très fascinant, votre présentation, pour voir comment est-ce que vous avez réussi à adapter des HIS2 pour suivre les rumeurs. Donc, je suis très content. Je vais vous présenter Fonla du Vietnam qui vont faire leur présentation de l'agent conversationnel, qui est le chatbot en anglais. Je viens de Lisp Vietnam, de PSI, pardon, Vietnam. J'espère que vous voyez mon écran et que le partage d'écran se poursuit normalement. C'est parfait. Merci Rebecca pour l'introduction et merci à tout le monde d'avoir participé. Je suis Fran de PSI Vietnam et j'aimerais partager avec vous notre expérience dans l'intégration d'un agent conversationnel, avec le système DHIS2 pour la surveillance événementielle par le secteur privé pendant la pandémie de COVID-19. Maintenant, je vais vous établir le contexte. Au Vietnam, IBS, qui est la surveillance basée sur les événements, a été mise en place au début des années 2010 par le ministère de la Santé et supportée et soutenue par CDC aux États-Unis et d'autres et l'OMS. Nous avons essayé quand même de le rendre disponible dans d'autres localités du pays. La surveillance au Vietnam a commencé par là où on signalait les cas comme les points d'entrée, entre autres, et même on se basait sur les applications pour pouvoir communiquer. Et il y avait aussi les contacts qui donnaient des informations. Nous avons collecté des informations et nous avons soumis au secteur public et les services sanitaires dans le privé, précisément les pharmacies, ont aidé aussi à la surveillance et c'était un des points de contact parce que les gens aiment souvent aller aux pharmacies lorsqu'ils ressentent les symptômes comme la toux et le froid. Donc, les pharmacies souvent n'ont pas cette habitude de faire le reporting des possibles cas ou des cas suspects. Non, l'information était limitée sur comment est-ce que la surveillance basée sur les événements était consolidée pour analyser et partager à toutes les parties prenantes. Aussi, à PSI et Vietnam, nous avons développé des solutions numériques. Et nous avons commencé par
l'agent conversationnel pour le paludisme. Donc, en août 2020, à partir de cet agent conversationnel pour le paludisme, nous avons développé le pareil, le même pour les pharmacies et les entreprises ou les établissements sanitaires privés. Au Vietnam, nous utilisons une application de messagerie appelée Zalo, qui est une plateforme qui est dans plusieurs langues. Cet agent conversationnel ou ses utilisateurs permettent d'avoir les questions qu'on envoie et les agents de la santé de l'État répondent facilement aux préoccupations des uns des autres. Donc, nous avons essayé de l'intégrer dans DHIS2 et les données sont prises par cet agent conversationnel qui sont analysées et présentées sur différents tableaux de bord. Comme vous allez voir sur la dernière diapo, ou bien sûr la diapo présente, voici une carte des endroits où il y a les cas. Et puis, il y a les utilisateurs, les agents conversationnels qui sont formés sur le terrain pour pouvoir savoir comment l'utiliser. Donc, avec cet agent conversationnel, nous avions pour but d'encourager les établissements sanitaires pour pouvoir soumettre leur rapport d'événement et construire un réseau, bâtir un réseau pour le reporting et encourager, collecter et analyser les métadonnées pour pouvoir faire le tracking. Ensuite, nous espérons que les autorités sanitaires puissent prendre les dispositions nécessaires pour résoudre les différentes difficultés. Après quelques mois d'implémentation, je crois que les résultats sont prometteurs. Environ 3 000, plus de 3 000 agents conversationnels sont disponibles un peu partout. Il y a des projections pour les provinces. Avec notre densité, nous avons essayé de joindre les zones industrialisées. Plusieurs cas sont enregistrés par jour. Certains pour la COVID-19, c'est la toux ou la fièvre ou la difficulté respiratoire. Et il y avait 61% de ces cas-là, 61% pardon, des établissements sanitaires qui ont révélé ces symptômes. La plupart de ces symptômes rapportés, c'était la toux, la fièvre et puis les difficultés respiratoires. 4,6% de ces cas pouvaient être suspectés d'être des cas de COVID-19, ce qui signifie qu'ils ont des symptômes apparents de la COVID comme la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires au même moment. Donc, comme on peut visualiser, DHIS2 nous a permis de pouvoir visualiser sur des cartes et des graphiques différents pour pouvoir savoir s'il y a un cluster, un groupe de cas dans une zone en particulier. Ça a aidé beaucoup les autorités de pouvoir faire le suivi de ces zones-là en matière de santé et prendre les dispositions appropriées. Et maintenant, je vais demander à mon collègue de parler de notre collaboration avec les autorités sanitaires dans le pays. Est-ce que vous m'écoutez? OK, merci de me passer la parole. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme le président orateur l'avait dit, le système IBS est dans plusieurs pays et ça a suivi l'adhésion de notre ministère en 2018. Ça nous a permis d'avoir les cartes des zones où il y a des cas et puis
analyser les données pour prendre les dispositions qu'il faut. Premièrement, il y a la collecte des données pour vérifier ensuite ce qui se passe dans la zone. Donc, c'était ça la responsabilité du personnel médical. Ça nous a permis de collaborer avec le CDC pour prendre les dispositions adaptées dans les zones affectées. Le système nous a permis de pouvoir intégrer les informations dans DHIS2 et nous avons ensuite évalué ces informations et la CDC vient pour diriger les opérations et donne son approbation sur chaque événement. Comme vous pouvez voir à droite, c'est des informations sur les clusters, les groupes de cas qui sont intégrés dans DHIS2. Et à gauche, vous voyez le nombre de cas suspects et les autorités sanitaires peuvent voir ces chiffres et puis décider de la conduite à tenir. Ensuite, pour pouvoir évaluer la durabilité de l'agent conversationnel, prochaine diapo, voilà. Il fallait que l'utilisateur soit prêt à faire le reporting de chaque cas suspect. Comme vous pouvez voir, c'est quand. ont jugé qu'ils doivent utiliser cet agent conversationnel même après la COVID-19. Et 2,2% ont dit non et 16,5% ont dit qu'ils vont y repenser avant de prendre leur disposition. Donc, 58% des utilisateurs ont dit que le reporting via l'agent conversationnel est meilleur et plus pratique pour déclarer les situations sanitaires au Vietnam. Après 9 mois d'implémentation, nous avons appris beaucoup de choses. Comme mon collègue l'a dit, le secteur privé n'avait pas pour habitude de soumettre des rapports. Maintenir le IBS, pour pouvoir maintenir le IBS, il faut encourager le secteur privé pour qu'il puisse en faire partie de ce TBS qui est la surveillance basée sur les événements. Donc, ils peuvent ainsi partager les informations avec le secteur privé en les invitant aux diverses sessions de formation ou en envoyant des mails, des courriels pour leur donner des certifications, par exemple, à la fin des activités. Aussi, le CDC au Vietnam et les districts de santé sont responsables de la vérification de l'information, de l'enquête, de la réponse et du contrôle. Et donc, parlons de l'aspect technique, le système d'agent conversationnel va aider dans le reporting. Donc, parfois, on n'a pas le temps d'avoir la prochaine question ou le prochain problème. Donc, c'est possible d'oublier même d'intégrer des informations dans la plateforme. Donc, c'est ça qui a limité certaines actions. Maintenant, pour les données agrégées, il y a eu aussi des limites parce que l'analyse est beaucoup plus limitée comparativement à l'événement qui prend en charge les données de manière traditionnelle. Et comme perspective, les autorités sanitaires jouent un rôle important déjà dans la gestion et le développement de systèmes IBS
et nous essayons de renforcer les capacités du réseau du secteur privé en leur donnant la formation et les ateliers requis pour pouvoir bien utiliser le système de surveillance. Avec l'utilisation de l'agent conversationnel, nous pouvons avoir des informations en temps réel et des informations fiables pour pouvoir détecter et enregistrer des événements futurs. Des événements dans le futur, pardonnez-moi. Donc, nous pouvons appliquer justement l'agent conversationnel à d'autres plateformes comme Messenger pour informer toujours les autorités sanitaires à prendre les dispositions. Donc, c'est l'agent conversationnel qui nous aide aussi à pouvoir être en communication avec ces différentes autorités et nous fait plusieurs districts aussi et sont en train de mettre en application cet agent conversationnel pour pouvoir prendre les informations sur le paludisme et d'autres maladies. Donc, nous avons vu ce qui se passe chez nous. Il y a beaucoup à dire, mais c'est ce que nous pouvons dire pour le moment à cause de la contrainte de temps. Donc, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les mettre dans les discussions ou sur la communauté de pratique. Merci de votre aimable attention. Merci à nos sœurs qui ont présenté depuis le Vietnam. J'encourage tout un chacun à visiter les informations disponibles dans la communauté de pratique. Il y a déjà plusieurs activités qui y sont déjà, mais malheureusement, nous n'avons pas de temps pour la session de questions-réponses en direct. Je vais juste bientôt clôturer en disant que la communauté de pratique nous rassemble pour qu'on puisse discuter de l'utilisation de DHIS2 et nous informer de manière quotidienne. Nous voyons aussi comment ces cas se sont focalisés sur la compréhension du flux des données et ça nous a permis de comprendre comment est-ce qu'ils ont analysé les données de manière quotidienne et de manière consistante. Et c'est cela qui a permis de pouvoir prendre des dispositions et mener des actions pour pouvoir répondre de manière efficace aux difficultés rencontrées. Donc, la dernière chose que je peux dire, c'est aussi l'incapacité de pouvoir utiliser ce système parce que c'est très différent comparativement à ce qui était fait de manière traditionnelle dans tous les pays. Donc, il fallait trouver comment intégrer les données dans DHIS2 et puis aider à la formation. Donc, merci à nos orateurs aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons continuer sur la communauté de pratique. Maintenant, je crois que nous pouvons terminer. Je ne sais pas si Max a d'autres questions. Merci beaucoup.